Alors, déjà avant tout, c'est mes premiers souvenirs de concert. Puisque premier souvenir en tant que spectateur déjà, avant même d'être dans une démarche de devenir musicien, voire même musicien professionnel. Mais en fait, c'est notamment dans le Martinique Jazz Festival qu'on rêve en fait, hein, en tant que gamin, en tant que voilà, qu'on rêve, que le musicien nous fait rêver. Donc c'est ça que ça m'évoque en premier lieu, c'est ça. Et puis après, c'est toujours un honneur de jouer. Alors moi, je dis j'aime jouer à la maison parce que en fait, quand j'arrive à l'Atrium, voilà, c'est comme ça, comme si j'arrive chez mes parents en fait. Donc voilà, c'est tout de suite bien et avec les lieux et puis avec l'équipe aussi, les copains, les techniciens, l'équipe administrative, etc. Alors là, on va vous faire un concert en trio. Donc, c'est un répertoire composé à 100% de composition personnelle. Et ce sera un mix entre des morceaux de mes deux albums précédents, mais surtout en grande majorité des nouveaux morceaux qui seront sur mon prochain album, qui sera le troisième album. Et ces morceaux-là, en fait, l'idée de base qui conduit en fait tout mon processus créatif pour ces morceaux-là, c'est la tradition. La tradition martiniquaise. Donc chaque morceau est né d'une idée. Notamment au niveau du ballet, que j'ai travaillé pour emmener dans des directions diverses et variées. Et donc, du coup, je serai en trio accompagné de super musiciens. Enfin, je pèse mes mots, je n'ai pas d'adjectif, je pense, suffisamment fort pour exprimer à quel point je suis content de jouer avec eux. Donc, c'est Thilo Bertolo à la batterie et Michel Alibo à la basse. Et alors, plus particulièrement, Michel. C'est vraiment génial d'avoir la chance de jouer avec lui parce que pour moi c'est un monument. C'est un monument de. J'aurais même pas dit de la basse, pas le réduire à ça, mais de musicien et surtout un humain extraordinaire, généreux et chez moi personnellement c'est quelqu'un qui m'a beaucoup motivé étant plus jeune. Et je regardais ses concerts et du coup ça me. Son aura, en fait, l'aura qu'il a sur la scène internationale est très très motivant pour des musiciens issus de la Martinique, enfin des Antilles tout simplement. Donc voilà, ce sera ces morceaux-là en trio et voilà.